Hello everybody, hello, c'est Kent. Aujourd'hui on est sur Reigns pour la suite. Donc le roi est mort, donc continuez. Donc vive le roi. Donc essayez le bleu, démarrez une croisade et dirigez comme un gagnant. Donc ça c'est notre objectif pour cette vie. Donc nous devrions commencer avec l'Orient. La guilde est prête à offrir 10% des profits à la couronne. Oui. Cela vous affectera chaque seconde, route de la soie. Le commerce des épices contribue au trésor chaque année, mais vous avez plus de chances d'entrer en guerre avec vos voisins. Ok. C'est pas, on les défonce, nous. Les sœurs d'un couvent se sont mises à miauler comme des chats. Ça se propage jusqu'au village. What the fuck? Est-ce mon problème? Les sœurs continuent à miauler pendant un certain temps. L'église finit par les déclarer hérétiques et les envoya au bûcher. L'économie est florissante grâce à nos efforts pour réguler le commerce. Construisons une banque centrale. J'espère que je perds de l'argent, sinon je perds la game en fait. Non. Voilà, merci. Voulez-vous épouser la jeune princesse d'un royaume voisin? Oui. Votre pays est si riche, on a commencé une fête d'enfer à la nourriture. On a perdu parce qu'on est trop gros et on est mort. Et voilà. Super, hein. À force de manger, vous finissez par vous étouffer. Tout le monde est si ivre que votre mort n'est constatée qu'au matin suivant. Super, en tout cas. Hein. Il a vécu longtemps, hein. Alors, bah, ok. Alors. La moisson est excellente cette année. Bah, nourrissez la population. Un marchand étranger vend des machines agricoles d'un genre nouveau. Nous devrions en faire des copies. Non. Fais chier, ça augmente la... On va faire que perdre de l'argent. C'est une erreur. Maintenant, le marchand veut vous rencontrer. Oui. Princesse Jumana. Surpris, dans mon pays, les femmes ne sont pas des limaces insipides comme celles de votre cour. Bienvenue. Notre pays est si riche qu'on a commencé une fête et je suis encore mort. Yeah, trop bien. Allez, on continue. Alors, elle a vécu moins longtemps que l'ancien. Donnez-nous assez de pouvoir pour faire respecter la loi du Très-Haut. Le pape est prêt à payer le prix. Vas-y. Putain, je gagne de l'argent. Faut pas gagner de l'argent. Je voudrais mener des recherches sur les armes et la guerre. Acceptez-vous de m'aider? Oui, parfait. Vos gens sont au bord de la famine, votre Altesse, le prix du pain est trop haut. Réduisez-le de 50%. Je veux bien rejoindre votre cour pour faciliter la compréhension et les échanges entre nos peuples. Vas-y. Votre docteur réalise des expériences hérétiques dans une pièce secrète, il faut l'arrêter. Je suis tout à fait au courant. Sire, votre urine sent le rhododendron ce matin. Comme j'adore la sentir, je vous préviens, elle a un mauvais goût, je l'ai même goûté tout à l'heure. Vous devriez éviter de chevaucher pendant quelques temps. Je m'en bats les couilles. Notre pays est si riche, on a commencé une fête d'enfer avec la nourriture la plus chère possible. Et je suis mort encore. Et putain. En fait, le truc de l'épice en bas, c'est le pire truc qu'on ait eu parce qu'on est trop riche et on fait que perdre. Vos marchands organisent le commerce de l'épice pour eux-mêmes. Vous vendriez 10 fois plus en encourageant le marché libre. Non. On doit perdre de l'argent. Vous gouvernez comme un nul. Oui. Le meilleur spectacle que vous offrez au peuple est ce stupide festival du printemps. Ça me plaît. Ce n'est pas si mal. Ça me plaît. C'est ça, dansons, rond pendant qu'un débile martyrise un lutte innocent, c'est tellement moyenâgeux que ça en devient gênant. Nous, je. Les gens veulent de la tragédie, de l'action, les histoires d'amour interdites, ruines aux mineurs, il faut de l'entertainment. Genre, le mec, il est au Moyen-Âge, il fait, il faut de l'entertainment, mec, man. Bien sûr, vas-y frère, propose, toi qui viens du futur. Grave langue pendue. Je suis donc volontaire pour être votre chef de service entertainment. Ne me remerciez pas, c'est normal. D'accord. Le Trump, dirigé comme un gagnant. Hier. Yeah.
Votre pays est si riche. On a commencé une putain. Niquez vos mères avec cette fête qui tue tous mes fils là, putain. Alors, on est mort 25 fois dans cette vidéo. Le peuple souhaite des assignés hein, à votre réveil et veut vous voir aller aux toilettes. Quoi? Et ils sont prêts à payer pour ça? Non, parce que j'ai pas besoin d'argent là. Des bandits terrorisent les caravanes sur la route de la soie. Il faut envoyer un détachement armé. Non! Perdons de l'argent. J'ai un cadeau pour vous, mais il a un prix. Vous allez devoir me prouver que vous êtes un bon roi. Vas-y, frère. Survivez 15 ans à l'exercice de pouvoir avec les mots du grand âge. Et nous reparlerons. Ok. Cela vous affectera chaque année. Grand âge. Vous n'entendez ni ne comprenez plus correctement. Effrayé, vous essayez à tout prix de cacher votre infirmité à la cour. Putain, c'est compliqué ça. 15 ans. Allez. Los Bilonios d'Olest Itikion. Ah, attends. On va essayer de comprendre, les amis. Alors, les Bironios de l'Est attaquons. Nous ne pourrons l'emporter qu'en enrôlant la population. Bim. Si t'as besoin d'un bilingue, trilingue, je suis là. Donc. C'est parti. Nous devrions systématiquement accuser les migrants idiotes, je vois pas ce que c'est, de tout ce qui ne va pas dans le royaume. Yeah. Non. Parfait. Je voudrais doper. Je voudrais duper une. Je voudrais faire une messe en gros à la gloire de ton père. Vas-y frère. Le royaume du sud prétend que vous êtes promu à leur princesse en gros. Nous risquons la guerre si tu refuses, espèce de connard de roi. Allons-y. Nous avons découvert l'entrée d'une crypte sous le château. Ah. Non, on n'y va pas. Hein. La dernière fois, on va tenir 15 ans, les amis. Donc si on y va, on meurt. Donc non. Je peux vous apprendre à maîtriser la magie blanche. Vas-y, frère. Un joie d'apprendre le bonheur. Oui. Pourquoi voudrez-vous un sort jour cola? Le bonheur n'est ni un tort. Moi j'ai pas très bien compris, mais vas-y. Je peux vous doper l'eau de nain. Ok, là j'arrive plus à comprendre. Ah là on peut tuer quelqu'un, ça. On peut vous débarrasser de quelque chose. La reine. Vous êtes sûr? Oui. La reine quitte précipitamment la cour avec sa suite. Vous ne vous sentez pas spécialement plus heureux. Merde alors. Je souhaite partager avec vous quelques trucs. Découverte astronomique de mon peuple. Vas-y. Ces recherches sont fructueuses et je sais pas quoi équivoque les hypothèses de mettre un jeu. Blasphème, la vraie foi est l'un. Le soleil tourne autour de la terre et des poros. Création de Dieu. Non. C'est complètement faux, monsieur. Le message dit les Iliens nous menacent. Nous devrions les attaquer avant qu'ils le fassent. Go. Recruter un nouveau général où nous serons dépecés par les ennemis. Oui. C'est le jeu. Putain, ça va tenir encore 3 ans. Hein. C'est le Jlistride Piver de ces 30 dernières idées. Avec l'Egypte, récolte de l'épée de pierre, votre Jedjad et EJJ. Ok. Je ne peux pas les aider. Je ne peux pas les aider. Nous devrions instruire un couvre-feu. Non. Ah! Shit! Le peuple est pauvre et affamé! Les troubles se justifient. Non, c'est du 14 ans! Putain!
Ah, fais chier. Ah, on peut enfin le dire correctement. Nous pouvons négocier une paix durable grâce à l'effort diplomatique coordonné de nos ambassades. Vas-y, frère. Je suis un tueur en série. Tu es mon bureau. Tu es mon bourreau, espèce de bolos. Je déteste mon travail. Si je pouvais, peut-être, mais je n'ai personne d'autre. Nous voulons construire une école dans la capitale pour éduquer le peuple. Ouais. Je pourrais remplacer le bourreau. Vas-y frère, vas-y frère. Je cherche une manière de tester de nouveaux poisons exotiques, je peux payer. Bien sûr, pourquoi pas. Je cherche une manière de... Ok, il apparut rapidement que l'hygiène était le cas des soucis du docteur. Les expériences du docteur sur les condamnés déclenchèrent une épidémie. Vous êtes parmi les premiers à pourrir. Vite le roi. Alors, on fait que mourir hein, depuis le début. La rivière Goutte est à nouveau à sec. Nous devrions construire un barrage. Ouais, vas-y. On a trouvé de l'or dans le lit de la rivière. Qu'est-ce qu'on en fait? On la partage. Je suis sœur Melusine, la directrice de la nouvelle école des noix épanouir ces jeunes âmes. Non. Je pense que vous devriez, ça veut rien dire, que nous devrions envahir le royaume de l'Ouest. Une petite guerre sexy et sympa. Vas-y frère. Les céréales sont très abordables en ce moment, monseigneur. Nous devrions modifier le prix du pain. Augmentez-le un peu. La guerre est interminable et coûteuse. Demandez un cessez-le-feu. Oui. Laissez-moi construire des fortifications autour de la capitale. Nous ne pouvons pas nous en passer. Vas-y. Au mur, les fortifications sont un excellent moyen de repousser les envahisseurs utiles quand votre armée est au plus bas. Ça, c'est bien, on l'avait déjà fait avec un ancien roi. Le royaume du Sud prétend que vous êtes promis. Alors, je. Princesse, nous risquons la guerre en cas de refus. Vas-y. C'est votre 20e anniversaire, Altesse. Faisons la fête. Non. Je n'aime plus les fêtes parce que tous mes ancêtres sont morts à cause des fêtes. Je voudrais organiser une rencontre scientifique avec quelques confrères de l'Ouest dans votre château. Oui, mais est-ce que ça va me coûter de l'argent? Ça va. Monseigneur, et si nous faisions quelques échanges à l'épée, je peux vous apprendre des choses. En garde! Et on va faire quoi attaquer, vas-y. Voilà, on fait qu'attaquer. Et boum. Oh, j'ai lancé mon arme dans la gueule. Waouh. Vous y arriverez mieux la prochaine fois. Je peux vous donner quelques conseils. L'escrime dépend de vos choix. L'attaque est brillante, explosive. Et la défense est rusée et trompeuse. Quand vous vous défendez, vous avez une chance de déclencher une attaque spéciale au tour suivant. Regardez votre adversaire, vous apprendrez ainsi de nouveaux coups et bottes. Merci. Mon roi, je suis si faible, si malade, je me meurs, s'il te plaît. Laisse-moi reposer dans la tombe de mes parents. Ça va me coûter de l'argent. Non. Les vikings attaquent, devons nous défendre contre le royaume du Nord. Bah, go. Votre église est faible et le peuple se plaît à blasphémer. Non. Un bateau a été mis en quarantaine, c'est peut-être la peste, faut-il étendre la mesure au port? Oui, mais j'ai plus d'argent. Donc, oui. Votre pays est ruiné, votre Altesse, les marchands, les nobles, peut-être tout. Hein. La nouvelle oligarchie vous envoie en exil. Baudouin. Votre forteresse est trop fragile, construisons une nouvelle tour, oui. La reine du sud nous offre son aide pour repousser l'envahisseur. Oui. La guilde des marchands vend des denrées traditionnellement produites au sein de l'abbaye. Mettez-y un terme. Non. Les baronnies de l'Est sont en guerre à nouveau et leur population passe la frontière en ce moment même. Accueillez-les. Victoire, les vikings sont défaits. Faut-il massacrer les prisonniers? Oui. Je sais que vous êtes un ignare complet en économie, mais pourriez-vous faire un discours inspiré dans les marchands? Oui. Il faut être prêt à tout, nous devons recruter plus de soldats. Non.
Je te maudis pour les massacres de mes soldats. Tu es mon esclave. C'est le plus rude hiver de ces 30 dernières années. Avec la maigre récolte de l'année dernière, votre peuple est affamé. Donnez nos réserves. Les habitants d'un quartier de la capitale sont devenus fous et chassent les sorcières devant nous faire usage de la force. Oui. Apparemment, cette folie collective est due à un empoisonnement du seigle. Faut-il brûler nos réserves? Oui. Apparemment, hein, ok. Sans réserve de seigle, il est probable que votre peuple meure de faim dans les années à venir. On s'en bat les couilles. J'ai entendu des bruits inquiétants dans le château la nuit dernière, renforcer la garde. Oui. Fils du démon, regarde-moi. Il a volé l'épée d'un garde et vous menace. Regarde! Ta mère doit être fière de ce dont tu vas faire un joli pull. Tu vas essayer de vendre cette impression technique de l'abaillage aléatoire. Je vais te dépoussiérer. Oui, j'ai fait fortune. Ce soir, je dîne dans le Valhalla avec mes frères et mes enfants. Sanglier furieux! Ta mère doit être fière de ce dont tu vas faire un joli pull, ok? Dis bonjour ou barbare. Dis bonjour! Et voilà. Easy! Port tricheur, parfait. Mes enfants, ils sont tous morts! Garde! Vous mettez Déobulf, l'âme des tempêtes, en prison. On ne l'entendit plus dire un mot après ce jour. Parfait. Nous avons trouvé de l'or dans les mines. Devons-nous continuer à creuser plus profondément? Oui, parce qu'on n'a pas d'argent. Vos gens sont au bord de la famine, votre Altesse. Le prix du pain est trop haut. Réduisez-le de 50%. Avez-vous besoin d'argent, sire? Je peux... Non, toi, tu fais chier à prêter d'argent chaque fois. Une grande partie du pays adore de faux dieux. Nous allons brûler des sorcières. Oui. Parce que sinon, l'église, elle aime pas. Regardez ailleurs. Mettez fin au massacre inutile et insensé de nos innocentes jeunes femmes. Je vous en conjure. Oui. Une bande de vos maudits soldats a mis à sac une abbaye. Nous voulons que justice soit faite. Oui. Votre royaume est pauvre et attaqué de toutes parts. Un de mes amis veut vous offrir son aide. Gratis. Oui. C'est bizarre, mais bon. Les baronnies de l'Est se regroupent sous la bannière d'un terrible chef de guerre envoyé l'armée. Oui. De nombreux prisonniers se sont évadés de la prison. Organisons une battue. Oui. Waf waf. Ah, le retour de Rex. Ici, attrape. Encore. 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 Et encore. Et encore. Et encore. Bon. Assez. Waf waf. Rex court autour du château et vous ramène à la salle du trône. Assis. L'école est une manœuvre de l'église pour laver le cerveau de toute une génération. Arrêtez ça. Oui. Je suis d'accord. La rivière Goutte est en train d'inonder une grande partie du royaume. Il nous faut l'aide de l'armée et de l'église. Non. Nous pouvons négocier une paix durable grâce à l'effort diplomatique coordonné de nos ambassades. Oui. L'Est est... J'aime sa voix, lui. L'Est et le Sud coordonnent une attaque contre le royaume. Devons-nous appeler l'Ouest à l'aide? Oui. Les orfèvres de la capitale ont créé un cartel pour organiser le commerce. Ils veulent votre corps. Non. Nous pouvons organiser notre mariage avec la princesse du Nord. Cela arrêtera la guerre. Oui, mais j'ai plus d'argent. Ah, ça va. Les céréales sont très abordables en ce moment, monseigneur. Nous devrions modifier le prix du pain. Oui. L'estuaire de la rivière Goutte est un dangereux marais pour les voyageurs. Il faudrait assainir toute la région. Oui. Et on est perdu. Votre pays est ruiné, votre Altesse. Les marchands et les nobles boisent de tout. Bon, bah, on est mort encore une fois. Hein. Donc, les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Donc, c'était Kent. Laissez un j'aime, commentez, abonnez-vous comme d'habitude, partagez la vidéo, favorisez-la. Faites tout ce que vous voulez avec. Donc, c'était Kent, comme j'ai déjà dit. Et bisous!